Les amis, dans cette vidéo, j'ai hâte de vous présenter ce qu'on a fait durant notre réunion annuelle avec Marélie, avec qui je travaille aujourd'hui. Ça peut vous donner une inspiration sur la forme et sur le fond. Donc, si vous avez déjà une équipe ou si vous comptez un jour avoir une équipe. Et donc, j'aimerais vous présenter un peu comment s'est déroulée la journée, jusqu'au compreniez l'intérêt de ce genre de réunion. C'est qu'en fait, oui, j'ai acheté ce carnet qui est top d'ailleurs, je vous le recommande, The Best Year Journal. L'idée, c'est de réfléchir à son année précédente et de voir comment on peut planifier cette nouvelle année par rapport à ce qu'on a fait l'année précédente. Donc, j'ai fait ça pendant mes vacances, j'ai réfléchi, j'ai pris des notes et du coup, cette réunion nous a permis de planifier. Planifier nous permet de ne pas être en réaction, de ne pas être trop stressé puisqu'il y a trop de projets, ou d'être surpris, oh tiens, il n'y a pas assez de ventes, pourquoi? Bah ouais, en fait, on ne l'avait pas planifié. Et puis, ça nous permet aussi d'être plus en phase, de mieux collaborer. Parce que moi, j'ai des trucs dans ma tête, mais si moi, je pense A et Marily pense B, comment on va mener l'entreprise? Vous voyez, c'est comme imaginer une voiture et la roue avant gauche, elle va à gauche, et la roue avant droite, elle va à droite. C'est pas possible, en fait. Donc, il faut qu'on soit en raccord. Donc, je vais vous dire un peu ce qu'on a fait. On a fait la réunion de 10h à midi, puis de 14h à 16h30. Idéalement, ce genre de réunion, vous voyez, je vais lire des trucs comme Traction. Donc, si vous êtes un peu dans des trucs un peu plus avancés, faut prendre 2 jours complets. Quoi, non. Ce que eux recommandent pour les boîtes qui font 2-3 millions, c'est 2 jours complets et idéalement en présentiel et quelque part d'autre pour nous changer de notre quotidien. Nous, on l'a fait en mode plus petite boîte. Une fois, on a fait une réunion trimestrielle en présentiel, mais là, on l'a fait en ligne. Et ben, on a fait 4 ans et demi au lieu de 2 jours. Donc, on a fait un super travail, mais forcément, à améliorer pour les fois prochaines. Donc, ça, c'est un template, c'est un modèle que Marily a adopté, adapté par rapport à tout ce qu'elle a appris de ces dernières années, de toutes les entreprises avec qui elle a côtoyé de près ou de loin. Et du coup, on a commencé par un temps de ressenti. Alors, ouais, juste. Au début, je voulais animer la réunion. Puis, je l'avais mal préparée et Marily m'a suggéré, on va dire, quoi? M'a fait comprendre que soit il fallait que je me conforme à son fonctionnement, soit c'est elle qui animerait, parce que sinon ça marcherait pas bien en fait, parce que moi j'allais arriver un peu les mains dans les poches. Et donc au début c'était un peu troublant, mais en fait c'était génial parce que elle a animé et ça m'a permis moi d'être plus dans la réflexion. En plus, je suis là, je suis dans un café, alors pardon, bon là il fait nuit, mais tu vois, je pouvais regarder à l'extérieur, c'était hyper agréable. Alors que si j'anime, quand on anime la réunion, bah, on est plus pris dans le clavier que dans la réflexion, donc c'était parfait. Donc on a commencé par les plus, voilà, en termes de ressenti par rapport à cette année, quoi, l'année dernière, et puis voilà, qu'est-ce qui a été positif et qu'est-ce qui aurait pu être amélioré. On a fait une rétrospective trimestre par trimestre. Alors, pour me la raconter, j'ai laissé certains points et j'ai enlevé d'autres points, mais le schéma est le suivant. De janvier à mars, ce qu'on a atteint comme objectif, d'autres objectifs secondaires, et puis les conclusions d'avoir atteint ou pas ces objectifs. Et on a fait ça pour tous les trimestres et c'était hyper intéressant parce que, par exemple, moi, ça m'a permis de moins voir comme un échec le mois de janvier. Pour tout vous dire, en termes de chiffre d'affaires, on a fait environ à vérifier encore 210 000 euros de chiffre d'affaires. Et le premier trimestre, en fait, on n'a pas fait de nouvelles ventes. On a encaissé de l'argent qu'on avait vendu de décembre dernier, quoi, de décembre de l'année précédente. Donc le problème, c'est qu'en fait, on se l'est un peu coulé douce le premier trimestre parce qu'il y avait de l'argent qui rentrait automatiquement puisque certains avaient payé en plusieurs fois. Donc ça, c'était cool. Sauf que, bah, en fait, la machine, on l'a redémarré un peu tard et on a pris du retard au milieu d'année en termes de vente. Donc ça, c'était une frustration. Mais en fait, en faisant ce bilan, d'où l'intérêt de faire des bilans, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'a pas perdu notre temps. On a posé des fondations pour l'année durant ce premier trimestre. On s'est fait accompagner sur les finances, sur le marketing, notamment. On a travaillé sur notre vision, on a travaillé sur les finances. Et c'est des choses qui, si on n'avait pas fait ce travail-là, oui, on aurait été peut-être, on aurait fait plus de chiffre d'affaires le premier trimestre,
mais on aurait galéré, je pense, les 9 trimestres après. Donc voilà, ce genre de bilan a ce genre de bénéfice. Et puis ce qui est bien de faire ce genre de réunion à plusieurs, c'est que ben on a des regards différents sur l'entreprise et ça se nourrit. Alors bon, c'était surtout moi qui parlais durant la réunion, mais en tout cas c'était très complémentaire, on pouvait rebondir. Et ça, c'est important parce qu'on n'est pas omniscient et on ne voit pas tout ce qui se passe dans l'entreprise. Et on a des biais cognitifs qui font qu'on va voir certaines choses plutôt que d'autres. J'ai aussi trouvé ça, voilà, en conclusion de l'année, fallait sortir une phrase. Et moi, j'ai vraiment eu ce sentiment, alors je vais mettre entre guillemets, hein, d'avoir lancé une vraie entreprise en 2022. Notre première salariée, des process en place, un outil de gestion en place, des tableaux de bord, voilà, et puis des clients, etc. Et même si tout n'était pas parfait, j'avais vraiment cette impression d'être une entreprise. Donc on a quand même fait plusieurs points après pour reformuler en une phrase nos victoires, les leçons apprises, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien marché, si on devait recommencer de zéro. Et puis la phase de projection. Ok, maintenant qu'on a fait ce travail, on a fait un travail. Et donc c'est là où je vais vous amener, okay, sur ce document qui vient de Traction. Et en fait, pour ceux qui suivent le vlog depuis un moment, je vous avais fait un peu ce document un jour, le VTO. Donc ça vient d'eux. Et donc je l'ai mis en version Google Sheets. C'est moins joli. Mais en fait, comme ça, je vais avoir plusieurs versions de ça et je vais pouvoir comparer les versions. Et en gros, on doit mettre nos valeurs cœur. Quel est notre principal focus, notre niche, notre objectif à 10 ans, notre stratégie, quelle est notre vision à 3 ans, notre vision à 1 an. Voilà, j'ai effacé ce que je voulais, j'avais mis, ce qu'on a mis pour pas vous divulguer des informations qu'on n'a même pas dit encore au reste de l'équipe. Okay, parce qu'il y a Marine et moi, mais on a aussi Mathilde et Karine notamment qui travaillent avec nous. Donc voilà, par respect. Respect de respecter un peu ça, mais je vous l'aurais bien laissé, sinon demandez-le moi en commentaire et je vous le donnerai. Et puis on a terminé du coup par nos objectifs au trimestre. Et ça, c'est important. De réfléchir à long terme, mais pas de rester juste dans les nuages, la tête dans les nuages, à 3 ans, puis à 1 an, et ok, premier trimestre, on fait quoi? Et ben on a fixé cet objectif avec des responsables. Donc voilà, ça c'était top et j'ai hâte de vous parler de comment se sont passés ces objectifs. Alors pour aller un peu plus loin, on est allé même jusqu'à définir 3 gros objectifs de l'année, dans lesquels on a classé des sous-objectifs, et définir sur un planning mois par mois où ça se passait. Alors pareil, je vous ai effacé toutes les données, parce qu'on a des choses à vérifier, et puis parce qu'il y avait des choses plus ou moins confidentielles. Mais voilà, ça peut vous aider de fixer des grands objectifs avec des sous-objectifs, mais surtout de les placer dans l'année visuellement. L'étoile du berger, c'était voilà, c'était quelle phrase thématique clé on veut pour cette année. Donc ça, c'était des exemples. Et donc vraiment, c'était cette idée de créer un écosystème interne dans la boîte, ajouter de l'ingénierie dans ce qu'on fait, fortifier l'entreprise. Ok, vraiment. Et on est parti d'un passage biblique, en fait, parce que quoi, dans la Bible, il y a souvent le terme de fortifier l'entreprise. Et puis ce passage biblique parle d'autres choses, et vu qu'on a des valeurs chrétiennes, quoi, plus que des valeurs, on croit en Dieu, on va dire, et qu'on a des valeurs chrétiennes, bon, on s'est dit, tiens, on va employer ça dans notre business. Et le mot fortifier, on s'est rendu compte que peu de gens l'utilisaient, et top, bah, nous on va l'utiliser. Donc là, on a émis des objectifs. Alors là, pour le coup, je suis en train de vous dévoiler les objectifs du coup, je vais censurer cette partie-là, donc vous la voyez pas en fait. Ok, parce que pareil, je veux pas vous dévoiler des choses qu'on ne dévoilerait pas déjà à notre propre équipe. Et puis on a un prévisionnel sur les finances que j'avais déjà fait au préalable, donc on n'est pas revenu dessus. Et puis le plan annuel, bah, c'était les dates en fait que je vous ai données. Et puis ça aussi, je vous le floute pour que vous voyez pas ce qui est d'abord destiné à notre équipe. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ça vous fait réfléchir. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et ce que je peux vous dire, c'est que plusieurs personnes m'ont demandé comment LinkedIn fixe des objectifs. Voilà comment on a fait parce qu'on était en équipe.
Mais si vous n'êtes pas en équipe, je vous invite à. Ouais, moi, dans ce premier, hein, dans le The Best Year Journal, c'est cette idée de fixer des objectifs dans plusieurs aspects de nos vies et surtout de fixer les plans d'action rattachés à ces objectifs. Parce que fixer, je sais pas, 50 000 euros de chiffre d'affaires, mais pas fixer des actions, ça sert à rien non plus. Voilà, j'espère que ça vous aide. Je vous dis à très très bientôt et c'était un vrai plaisir. Laissez en commentaire toutes vos questions. Ciao, ciao.